Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé la toile de Crafties. Donc la vidéo va être un petit peu particulière, différente de celle que vous avez l'habitude de voir. En première partie, vous allez avoir la petite confection de cette case que j'ai réussi à filmer. Et en deuxième partie, vous aurez le rendu. Petit à petit, enfin au fur et à mesure de la confection, le rendu de la toile au fur et à mesure. En fait, à chaque fois que je faisais une ou deux cases, donc souvent deux cases, je filmais, je faisais un aller-retour sur la toile et je filmais un peu le rendu afin d'avoir quand même un rendu au fur et à mesure. Donc j'ai fait ce système parce qu'en fait je l'ai amené en vacances et donc je n'ai pas pu tout filmer ou filmer plusieurs fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé le rendu à chaque fois, un petit aller-retour comme ça sur la toile, et j'ai pu, j'ai vraiment fait tout pour réussir à filmer au moins une petite case. Donc là, c'était la dernière case, et après, j'avais fini ma toile. Donc voilà, j'ai réussi à filmer cette petite case pour vous montrer quand même un petit peu la réalisation de la toile. Alors, pour parler de la toile justement, et ben vraiment, ça a été un plaisir à faire. Elle est vraiment très très bien. Donc les diamants sont très bien taillés, la colle colle très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit mélange là, comme vous pouvez voir, de diamants spéciaux et de diamants normaux. Et vraiment, je trouve que le rendu du mélange est vraiment très sympa. Aussi, c'est une toile qui fait 45 par 45, mais avec les bords blancs, donc on est sur un vrai 40-40. On a un mélange de diamants normaux et de diamants spéciaux. Donc là, vous le voyez très bien au niveau de la caméra. Et voilà, on a des diamants, par contre, ce sont des diamants ronds. Donc voilà, on a des diamants ronds, normaux, et des diamants spéciaux, mais ronds aussi. Il me semble que l'artiste, elle s'appelle Sybille Art. Il me semble que c'est ça. Si jamais c'est pas ça, je vous remettrai le nom exact au niveau de la vidéo en bas. Mais il me semble que c'est bien que c'est ça, que c'est Sybille Art. Donc un vrai plaisir à faire, hein, vraiment, au niveau de la pose, rien à dire. J'ai aussi testé le petit stylet, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui est très bien aussi au niveau de la prise en main, du poids, tout ça. J'ai pas eu mal au poignet, donc un très bon stylet. Et j'ai beaucoup utilisé le petit multiplaceur là, comme vous le voyez, et qui est très, très bien aussi. Donc voilà, ça a été un plaisir, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc voilà pour mon petit avis final sur Crafties. Bien sûr, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, donc voilà le lien de Crafties. Si je retrouve le lien de la toile, je vous mettrai aussi le lien de la toile. Donc voilà pour mon avis. Si jamais Crafties me redemande de faire un partenariat, ce sera avec plaisir, même si je dois payer une partie de la toile. Parce que là, cette toile-là, je l'ai payée. Hein, ils m'ont juste fait un pourcentage, mais ils m'ont fait une réduction, mais je l'ai payée. Mais vraiment, ça ne me dérangerait pas de racheter une toile de Crafties, parce que c'est une très bonne qualité. En tout cas, moi, hein, pour ma part, je trouve que c'est une très bonne qualité. Donc voilà pour mon avis sur Crafties. Sinon, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, je continue mes petits remplacements. Hein, voilà. Si vous ne le savez pas, cette année, je suis remplaçante. Donc, je remplace les maîtresses qui sont absentes. Donc là, en ce moment, vu que c'est la rentrée, on n'a pas beaucoup de collègues absentes. Hein, donc, je ne fais pas beaucoup de remplacements. Je fais plutôt des décharges de direction, surtout dans des petites écoles où finalement, elles sont déchargées qu'une fois dans le mois, etc. Donc, voilà, je fais ces petites décharges-là. Et puis, bon, des fois, il y a des collègues qui sont absentes parce que leurs enfants sont malades, etc. Donc là, je fais ça aussi. Mais c'est vrai que là, je suis quand même restée pas mal... je suis restée souvent dans mon école de rattachement. Donc là, pareil, hein, dans mon école de rattachement, je ne m'assois pas. Hein, je ne reste pas là à me tourner les pouces. J'aide mes collègues, surtout parce que je suis en maternelle. Donc là, on a quand même les petites sections où c'est dur pour eux la rentrée.
Donc voilà, j'essaie au maximum d'aider les collègues, les ASEM, des petites sections, parce que bah, c'est pas évident pour les petits, hein, voilà, c'est tout nouveau l'école, donc c'est pas facile pour eux. Donc voilà, je fais au mieux pour aider, pour être utile, voilà, même si j'ai pas de remplacement. Donc bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais m'arrêter là. Vous allez avoir du coup la suite de la vidéo en musique. Parce que voilà, j'ai plus grand-chose à vous dire. Donc je préfère vous laisser avec la suite en musique. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos, hein. Je vais essayer de. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu de mal. À filmer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, le week-end, comme on est en train de rénover notre petite maison, bah, du coup, je passe mon week-end à rénover voilà, à faire les petits travaux. Et c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour filmer, mais j'ai encore plein de choses à vous montrer. J'ai reçu plein de commandes, j'ai encore un partenariat. Et puis, j'aimerais aussi, voilà, vous filmer un petit peu les confections des objets, des toiles, etc. Donc, voilà, vous aurez ça prochainement. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des unboxings, même si bon, moi j'adore les unboxings, j'aime bien regarder ça sur les autres chaînes, mais c'est vrai que c'est bien aussi de diversifier. Donc j'essaierai de vous faire plus de vidéos confection. Mais bon, c'est pas évident, étant donné que je filme que le mercredi ou le samedi, et que là en ce moment, j'ai plutôt la tête dans la réno que dans le film. Mais bon, enfin que dans les vidéos. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.